Arnaud a 18 ans, Diane a 2 ans. Dans combien d'années Arnaud aura-t-il 3 fois l'âge de Diane? Donc je te laisse penser quelques secondes à ces informations. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc on cherche dans combien d'années Arnaud aura 3 fois l'âge de Diane, c'est-à-dire combien d'années vont s'écouler pour que Arnaud ait 3 fois l'âge de Diane. On peut noter x, notre inconnu, qui est ce nombre d'années. Le nombre d'années qui vont s'écouler avant qu'Arnaud ait 3 fois l'âge de Diane. Et dans x années, Arnaud aura, dans x années, Arnaud, il aura 18 ans, donc l'âge qu'il a aujourd'hui, plus ses x années écoulées. Et Diane, eh bien, elle aura 2 ans, plus les x années écoulées. Et on veut trouver la solution de l'équation pour le cas où Arnaud, dans x années, donc 18 plus x, cet âge soit égal à 3 fois l'âge de Diane dans x années, qui est 2 plus x. Et donc la solution de cette équation nous donnera la réponse au nombre d'années qu'il faut pour que Arnaud ait 3 fois l'âge de Diane. Et bien voilà, on peut commencer par distribuer ici, de ce côté de l'équation. Donc on a 18 plus x ici. Là, on distribue le 3. 3 fois 2, 6, plus 3 fois x, 3x. Et on peut passer tous les x du même côté. Donc, puisqu'on a un plus grand nombre de x de ce côté-ci, on va vouloir enlever les x de ce côté-là en déduisant x. Donc, je vais soustraire x à gauche et à droite. Et on obtient ici 18 plus x moins x, 18, est égal à 6. 3x moins 1x, ça nous donne 2x. Voilà, maintenant on veut passer ce 6 de l'autre côté. On va devoir déduire 6 de chaque côté. Donc on enlève 6 ici et là. Et on continue avec 18 moins 6, ça fait 12, est égal à 6 moins 6, ça s'annule, 2x. Et voilà, on peut diviser maintenant par le coefficient qui est 2. Je divise par 2 de chaque côté. Et j'obtiens 12 divisé par 2, ça fait 6. Ici, on simplifie et on a x. X est égal à 6. Et voilà, c'est la réponse du problème. X est égal à 6, donc il prendra ici 6 années pour que Arnaud ait 3 fois l'âge de Diane. 6 années. Et on peut très facilement vérifier cette solution. Donc si on calcule ici 18 plus 6, ça donnera 24. Et 2 plus 6, ça donnera 8. Et effectivement, 24, c'est 3 fois 8.